Parlez-moi un peu de toutes vos sœurs. Nous formons la main du prophète. Nous sommes l'âme de la vertu. Oh, alors oubliez. Mais je n'ai pas terminé. Oubliez, je vous dis. Ça ne va pas coller entre nous. Je viens de transcrire un passage troublant du journal de Jondar. Bien avant d'entrer au service de Magda, il avait découvert un ensemble de ce qu'il appelait des mots-clés, cachés dans un recueil poussiéreux. Il écrit qu'à l'instant où il a lu ces mots, des souvenirs de son passé sont revenus le tourmenter. C'est là qu'il a commencé à se défier de l'ordre. Mais il n'explique pas pourquoi. Je suis prêt à les lire, moi aussi, et à mettre mon âme en jeu. Mais vous devez bien comprendre quelque chose. Je sais que je peux mourir à tout instant. Au moment fatidique, je ne dois pas avoir le moindre doute sur mon propre dévouement à la lumière. Vous voulez affronter vos péchés. Ça me semble être un acte de dévotion. Merci, mon ami. Mais, s'il vous plaît, n'oubliez pas votre promesse. J'ai de nouvelles marchandises toutes fraîches d'aujourd'hui. Regardez donc, vous m'en direz des nouvelles. C'est ici que vous aviez rencontré votre femme ? Ah, c'est même une sacrée histoire. On s'est rencontrés dans une ville pas loin d'ici, près de Kourast. Elle était... Vous n'allez jamais me croire. Elle était en cage. Vous avez épousé une criminelle ? Mais non. Ils voulaient la brûler comme sorcière. Ils avaient bien raison. Il ne faut jamais faire confiance aux sorcières. Nous parlerons de ça une autre fois, si vous le voulez bien. Dans son dernier souffle, Magda m'a dit que la garde impériale avait capturé Léa. À l'avant-poste de Cassim, j'ai découvert que les gardes impériaux ne sont que des démons serpents au service de Bélial. Alors ils doivent retenir l'empereur contre sa volonté. Je frémis à l'idée de ce que Bélial pourrait faire de Léa et de ses pouvoirs. Notre seule chance de sauver Léa est d'arracher l'empereur au contrôle de la garde impériale. Ashera, la louve de fer, pourrait nous permettre d'approcher l'empereur. Je vais lui parler. Si vous êtes un ange, comment votre chute a-t-elle pu relever les morts ? Pas simplement un ange. J'étais l'archange de la justice. Ma chute a réveillé les morts assoiffés de vengeance, ceux qui avaient péri dans l'injustice, sous le règne de terreur de Diablo. Je n'ai rien pu y faire. Quand l'énergie s'est échappée de mon corps, je n'avais aucun moyen de la contrôler. Caldeum est la plus grande cité du monde, le siège de l'Empire du Khedjistan. Il y a des gens qui l'appellent le joyau de l'Orient. Ses bibliothèques regorgent de volumes pleins de savoirs obscurs, et ses rues recouvrent un labyrinthe de tunnels. C'est une ville de merveilles et de mystères.
Je ne sais pas comment ces réfugiés peuvent tenir ainsi. Leur situation est misérable, et il semble y avoir bien peu d'espoir pour eux. Où trouvent-ils cette force ? C'est justement ça, être humain. On souffre, mais on s'accroche. Le tempérament humain ne cessera jamais de m'étonner. Je sens la présence de Bélial dans l'air. Je vois son ombre derrière des yeux hagards. J'entends sa voix qui murmure des mensonges dans le vent. Il n'a pas besoin d'une armée pour prendre cette ville. Elle lui appartient déjà. Le conseil du consortium des marchands a toujours été l'organe décisionnel principal de Caldeum. Mais il gagna encore en puissance après la chute des fils Jerei. Les membres du conseil sursaisirent l'opportunité que représentait la religion Zakharum en pleine expansion, et ils permirent aux fanatiques d'ériger Saldenkal, leur monumentale cathédrale, en plein cœur de la ville. Les gens du peuple connaissent Caldeum de réputation, sinon d'expérience. Cette ville marchande existe depuis des millénaires, et sa fondation est antérieure même aux guerres claniques des mages. Sa neutralité, lors des siècles suivants, l'a sauvée de la destruction qui s'est abattue sur la ville voisine de Viz-Jun. Et la vie à Caldeum a continué, ainsi que le commerce. Non content de son hégémonie commerciale et religieuse, le conseil du consortium des marchands aspira à faire également de Caldeum un haut lieu du savoir. Il proposa de réunir les académies de magie au sein d'un nouvel édifice, le sanctuaire des Ishari, qui reste encore à ce jour une référence en matière d'érudition et de progrès. J'irai pas me balader par là si j'étais vous. Un pauvre gars est mort en tombant du haut des murailles. Y a donc personne pour nous aider ? Les démons ont envahi le désert ! Ces dernières semaines, mon petit Akan Sheri est devenu si cruel, si paranoïaque. J'ai entendu qu'il a ordonné à tous les gens de sa maison de quitter la ville. Sinon, il les jetterait du haut des murailles. Oh, je ne peux pas croire que ça me concerne aussi. Je m'occupe de lui depuis qu'il est tout petit. Pendant des années. Les gens se font détrousser ici. Ce cloaque est infesté de voleurs. Ashera, l'empereur et mon ami sont en danger. Il faut que j'entre dans le palais. J'ai eu vent de ce que vous avez fait à l'avant-poste de Cassim et à Alcarnus. Vous avez toute ma gratitude, et vous aurez mon aide. Capitaine Ravan, cette femme détient des informations vitales sur le massacre des Marches. Nous devons voir l'empereur immédiatement. Comme vous voulez, mais je ne suis pas sûr qu'il soit très sensible à vos requêtes. Laissez-les passer! Suivez-moi. Je vais vous mener à l'intérieur du palais. Demander une audience avec moi est bien impudent. Mes gardes disent que vous êtes responsable du massacre d'innocents villageois à Alcarnus. Ne croyez pas ces mensonges. La boucherie d'Alcarnus est l'œuvre de Magda et de sa cabale qui servent le démon Bélial. Si vous êtes innocent, pourquoi avez-vous introduit une espionne dans mes égouts ? Qu'on l'amène ! Mais lâchez-moi ! J'ai la violence en horreur. Garde, je vous laisse le soin de régler ce problème. Pas assez fureux. Ce n'est pas encore moi. J'ai besoin d'aide. Je savais que vous viendriez me sauver. Partons, avant que d'autres gardes n'arrivent. Sauvez-vous. Je couvrirai votre fuite. Merci. Maintenant, il faut aller dans les égouts. Je vous expliquerai quand on y sera.
Les démons nous barrent le passage. Il faut détruire leur machine d'invocation. J'ai retrouvé ma mère. Elle est vivante, mais la garde impériale la retient prisonnière quelque part par ici. Alors nous allons la trouver.